blanche et de leur gai sourire en égaye austérité. Et l'on entend à peine un bruit qui bouge, tandis qu'elles sont là, suivant de leurs yeux purs, le sable en ruisseau blond sur les pavements rouges. Mais hélas, ce silence est souvent troublé par les rafales de notre artillerie qui donnent terriblement ce moment. Et c'est alors que notre tâche commence. Beaucoup de douleur, de misère à soulager. Des tableaux affreux qui restent là, au fond des yeux. Des agonies pénibles, les sanglots des parents et l'impuissance devant la mort. Mais ils sont si braves, nos chers petits, que l'on a malgré tout la confiance en soi et en l'avenir. Et lorsqu'une période d'accalmie permet un peu de repos, il y a au fond du jardin, près des géraniums roses, une petite chapelle, couverte de vignes vierges dorées, troussies par l'automne, où un harmonium jauni, usé, sali, distrait d'un magnificat ou d'un psaume de Franck, les convalescents que la musique sacrée attire autant que celle des balles.